écouterons la voix de la raison. Viens. De quel port les opposants parlent-ils ? Parlent-elles ? Voici quelques éléments. À peine un hectare. Dans ce contexte, il nous semble important de présenter nos réflexions sur un point qui influence et caractérise fortement l'histoire de Brétignolles depuis presque 20 ans, les techniques de communication des promoteurs du projet de port. Une communication néfaste à plusieurs titres que nous cherchons à dévoiler par une analyse de la rhétorique. Notre objectif est de distinguer des éléments de discours qui relèvent des techniques de manipulation, des arguments fondés sur des données rationnelles. Dès la semaine prochaine, nous publierons de façon hebdomadaire une série de vidéos sur la rhétorique des promoteurs. Nous ne résistons pas à employer un ton humoristique, voire satirique, en mettant en scène une sorte d'entrepreneur qui produit des conseils de communication pour réussir un projet anti-environnemental. Il illustre ses tutos par les propos des promoteurs du projet de port de Brétignolles-sur-Mer, mais les propos d'un autre grand projet inutile imposé pourraient tout aussi bien convenir. Je précise que nos arguments et nos critiques n'ont pas pour cible les personnes, mais bien leurs méthodes. Notre but est de participer en tant que citoyennes et citoyens aux décisions des élus, de faire émerger la raison dans le brouillage de la désinformation, de développer plus de lucidité, voire même plus de courage face à la crise que nous subissons, et de trouver une entente en prenant en compte tous les arguments du fond. À bientôt! Vive la croissance! Vive la France!